Bonjour tout le monde. Je vais prendre un petit peu de temps. Je suis quelques minutes en avance de mon temps. Laissez le temps aux gens de se placer. Alors, tout doucement, je vous laisse écouter la belle musique qui est là, présente. Bonjour. Ah, ça rentre tout doucement. Bonjour tout le monde. Je suis accompagnée avec un beau rouge-gorge qui chante à ma fenêtre ce matin. Bonjour Martine. Alors, bonjour les gens du Québec et bonsoir, 18h, oui, bonsoir, les gens de la Belgique, de l'Europe. Bonjour Nicole. Je m'en allais vous dire bon matin, mais le matin est avancé quand même beaucoup. Hein. On est déjà rendu midi. Déjà perdu dans le temps. Ah, c'est bien le fun de se perdre dans le temps, mais il faut rester quand même enraciné, mais ça nous amène tellement dans d'autres dimensions. C'est wow, je laisse le temps rentrer. Belle Guylaine, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On a un soleil radieux aujourd'hui, ici au Québec. J'ai pas pris d'informations au niveau de la Belgique, si on a une belle température aujourd'hui. J'imagine que oui, on a tous des beaux rayons de soleil dans notre cœur. Alors de toute façon, le soleil, il est partout. Allô Julie! Alors je laisse les gens entrer doucement. Nat, bonjour Nat. Je suis bien contente. Nicole, coucou Lynn. Qu'on se retrouve, notre belle méditation canalisée, guidée, canalisée, qu'on va vivre aujourd'hui. Belle Suzanne, bonjour Christine. Oh, je voulais, je fais, oh, je voulais, j'ai sur ma publicité, un au départ, si vous voulez partager ce live-là à d'autres personnes, allez-y gaiement, ça va emmener plus de gens dans notre groupe. Conforme pour recevoir ces canalisations, ces méditations canalisées. Et pour ceux qui, parce que je travaille beaucoup avec mon cellulaire, parce que j'ai remarqué que, comme il y a beaucoup de gens à la maison, ben, les portables, les ordinateurs, il y a beaucoup de coupures. Puis j'entends des fois des gens me dire que ça coupe. Je revisionne mes vidéos, mais il n'y a rien qui coupe. Alors, c'est juste pour vous dire. Installez-vous, prenez le temps de vous installer avec votre cellulaire parce que vous allez voir que les coupures seront beaucoup moins présentes. Marie-Thérèse, Valérie, allô, Donia. Alors les gens que ça coupe chez eux, vérifiez ça. Ne vous enlevez pas votre cellulaire, vous allez voir celui-là au GSM en Europe. Je pense que c'est ça que vous appelez GSM parce qu'il n'y a pas de coupure, parce que je me rends compte qu'il est arrivé, oui, quelques fois de quelques coupures. Mais là, je revisionne mes audios. Il n'y en a pas de coupure. Alors, je pense que vraiment, oui, c'est Internet qui vient couper les ondes parce qu'il y a des surcharges de gens qui sont sur Internet. Ben, je vais faire un petit peu de publicité avant que les gens soient placés complètement. Bonjour, ma belle France. Aurélie, coucou. Donc, les gens qui sont intéressés sur mon site Internet, dans la page boutique. Il y a des méditations qu'on peut télécharger en MP3 qui sont faites, qui durent environ 30-35 minutes environ. Alors, elles sont canalisées par des maîtres ascensionnés, elles sont différentes. Alors, vous pouvez aller sur mon site internet, j'ai marqué la publicité, l'adresse, je veux dire, sur cette page ici, et vous pouvez aller vous télécharger une méditation. Les gens, tiens, en passant, je l'oublie tout le temps, j'ai mon beau jeu de cartes. Ce sont aussi des canalisations que j'ai canalisées pendant plusieurs années. Et c'est un jeu qui se vend 20 $. Les gens qui seraient intéressés, ben, vous me faites un petit coucou. Vous allez aussi dans la boutique sur mon site internet et vous pouvez payer directement. Et la livraison se fait quelque peu de temps après. Les gens qui. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils ne me trouvent pas. Je suis toujours à la même place sur ma page Facebook, Sylvie Pontbriand. Alors, je suis bien. Les gens me voient bien. Il y a bien sur ma page Sylvie Pontbriand, j'imagine, parce qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent.
Alors, quelques personnes qui disent qu'ils ne me trouvent pas. Donc, je voulais aussi parler, ben oui, de consultation, ben consultation guidance de l'âme que j'offre avec, je me dis, le temps de la confination, que j'ai un petit peu baissé le tarif de la consultation du mort. À travers la consultation, ben, on vient vraiment se connecter au moment présent. Ce que vous avez probablement des questionnements, vous avez probablement des choses que vous aimeriez comprendre dans votre moment présent. Alors, les guides sont là pour vous expliquer, vous faire comprendre, pour l'élévation de votre âme. Mais selon chaque personne, je peux aussi entrer dans les mémoires akashiques, qui veut dire que je vais aller voir dans d'autres incarnations ce qui a pu arriver, ce qui a pu se passer, ce qu'on ramène ici sur Terre et ce qu'on s'en vient libérer. Bonjour Jacques. Alors, c'est une consultation de 1 heure, guidance de l'âme. Et à travers, ça se fait par Messenger. Et à travers ben, l'heure de consultation, ben, j'emmène beaucoup aussi des enseignements. Il y a des gens qui se placent devant moi et me disent « Est-ce que tu as des questions? » Puis ils me disent non. Alors là, je pars arrêter parce que les guides sont déjà en place et c'est des enseignements qu'ils ont apporté. Alors, quand je dis guidance de l'âme, ben oui, selon nos besoins du moment présent, c'est les guides qui vont vraiment transmettre ce que l'âme a besoin d'entendre. Et bien entendu, ben, mercredi prochain, le 29, midi pour le Québec, 18h pour la Belgique, l'Europe, ça sera ma canalisation publique que je vais faire, alors 2 fois par semaine. Est-ce qu'on va sortir du confinement bientôt et on pourra passer différemment, qu'on aura nos week-ends? Alors, on verra à ce moment-là s'il y a des changements à venir au niveau des dates et tout ça. Ma belle Diane, bonjour Diane. Ben oui, c'est ça, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je cherche en deux eaux. Mais en tout cas, bien contente d'être avec vous, bien contente qu'on puisse partager ce grand moment ensemble. Et comme je disais tantôt, les gens qui désirent partager la vidéo, on la partage et les gens pourront s'intégrer avec nous pour faire cette méditation. Canalisée. Excusez-là, c'est comme les mots sont plus difficiles quand on me fait voyager dans le temps. Vous savez, pour les gens qui me connaissent, hein, je travaille avec les crânes de cristal. Et aujourd'hui, je me suis placée avec mon beau crâne ici. Mon beau crâne, c'est mon... pas un des derniers, je l'ai eu l'automne passé, il est venu vers moi. Mon crâne m'a emmené comme enseignement qu'elle faisait partie des prêtresses d'Orion, ok? Et son nom, c'est Aquashan. Elle fait partie de mes sœurs cosmiques. Et lorsque je me suis placée en méditation tantôt, c'est elle qui s'est manifestée à nous, me disant que c'est elle qui prendrait place avec nous aujourd'hui pour nous faire vivre un beau voyage. Je sais où, à un moment trop peu où on irait, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours de l'imprévu ici maintenant, moment présent. Donc, je pense que c'est à travers sa vibration qu'on va aller visiter la constellation d'Orion. Ce sont des vibrations très douces, très fluides quand je les reçois à l'intérieur de moi. Ce sont de grands maîtres, de grands guides qui sont là pour nous aider à nous élever dans notre conscience, élever notre fréquence vibratoire et pouvoir, oui, effectivement, passer à une autre fréquence. Comme je dis toujours, ils veulent toujours qu'on se détache un peu de notre moment présent, pas qu'on n'est pas conscient de ce qui est là, mais tout simplement qu'on se détache de la dualité, de ce qui se passe sur Terre, qui est plus difficile à vivre, et qu'on soit dans des fréquences beaucoup plus élevées. J'asais avec une amie tantôt, et elle me disait que son compagnon est allé à l'extérieur faire des courses, et trouvait que les gens ne se parlaient pas, les gens étaient vraiment détachés, c'est comme les gens étaient plus... moins gentil qu'il transmettait. Et là, ça m'a fait rire parce que je disais, mais tu sais, moi, quand je sors,
C'est le contraire. Je trouve, depuis cet arrêt-là, qu'on vit. Oui, probablement, c'est l'émanation que je fais. C'est bonjour à tout le monde. Un hochement de la tête, bonjour, ça va bien. Et c'est le contraire qui se passe. C'est que les gens, oui, je sens les peurs, je sens des choses qui se passent à travers les gens, mais à travers le rayonnement qu'on leur apporte, ça apporte vraiment une autre façon. C'est comme si on vient défaire la structure de la 3D des peurs et ça vient comme un peu apaisé. Alors, comme j'aime bien rigoler, les gens qui me connaissent savent bien que j'aime rire et m'amuser dans la vie. Donc, pour moi, c'est comme... C'est très, très fort quand je chante, le besoin, il est là et je vois vraiment... Je dois sûrement sortir avec mes ailes ouvertes et j'accroche certaines personnes. Alors, ça vient que ça défait un petit peu cette part que les gens peuvent vivre, ce stress que les gens vivent, pas savoir où ils s'en vont, pas savoir vraiment ce qui se passe. Et ça vient défaire ces énergies-là. Donc, bien, je vois qu'il y a quelques personnes qui s'installent, mais on a de l'air, tout le monde a pas mal l'air, je déparle, tout le monde a l'air d'être là. Je vais le dire dans des heures. Je vais m'enraciner pour le dire. Oui, Laurel, les gens ne sourient plus. Les gens se sourient de plus en plus en ce moment. Ben moi, c'est ce que je vis. C'est que j'ose ouvrir mes ailes, transmettre... Non, j'ai pas peur de ça. Puis je transmets ça aux gens pour leur amener une autre façon de voir. Pas que je suis meilleure que personne d'autre, sauf que je leur amène une autre façon de voir que ce qui est là elle a un but et vivons-le davantage dans notre cœur. Alors, tout le monde, je vais prendre une petite gorgée d'eau avant de commencer. Et je vais redire une deuxième fois. Pour les gens qui sont sur leur portable, sur leurs ordinateurs, il se peut que vous ayez quelques coupures parce qu'il y a trop de surcharge Internet, trop de gens. Alors moi, je ne travaille qu'avec mon cellulaire. Alors si vous voulez vous transférer sur votre cellulaire, vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins de coupures. Ben, j'ai revisionné certaines vidéos que j'ai faites et il n'y en a pas de coupures. Alors je me rends compte que ce n'est pas... moi, quand je le fais, c'est vraiment à travers probablement Internet, ceux qui sont connectés au portable. Alors, il y a quelqu'un qui a dit aussi la semaine dernière, cette semaine, fermé et réallumé. Peut-être ça va créer que l'audio, le temps qu'elle joue, s'il y a une coupure, pour pouvoir vous reconnecter avec nous. Donc, bien sûr, ceci dit, on pourrait bien hein, partir dans notre beau voyage. Alors, bien, je vous invite tout le monde à fermer les yeux. Je vous invite à venir vous recentrer à l'intérieur de vous. Placer, oui, Lorraine, pas de coupure, oui, sur les cellulaires, bien entendu. Vous placez dans votre cœur. Installez-vous confortablement. Laissez-vous porter par la petite musique arrière ainsi que l'énergie de ces grands maîtres qui sont parmi nous. Alors, je vous invite à prendre de belles respirations profondes. À travers chacune des respirations, vous venez complètement détendre votre corps. Vous vous placez dans un grand lâcher-prise. Vous vous abandonnez à votre être, à la fluidité. Par votre respiration, vous laissez l'oxygène circuler librement à l'intérieur de votre corps. Cet oxygène vient toucher chacune de vos cellules. Elle vient défaire les nœuds, les blocages. Et on laisse l'oxygène circuler librement dans le corps complet, dans chaque vaisseau sanguin, les muscles, les nerfs, tous nos chakras, afin d'apporter une grande paix intérieure. Lorsqu'on expulse cet oxygène, on la transmute dans l'immédiat par de merveilleux cristaux.
On la remet à notre mère terre Gaïa. Gaïa, de son cristal du cœur, amplifie la vibration de ses cristaux. Elle vient y mettre à l'intérieur tout l'amour qu'elle porte. Gaïa nous retourne ses merveilleux cristaux et nous le laissons pénétrer par notre respiration dans notre corps complet. Ces merveilleux cristaux circulent librement dans nos cellules, nos vaisseaux sanguins, tous les organes de notre corps, dans tous les chakras de notre corps. Ils circulent librement venant apporter une grande paix intérieure, un grand calme, une énergie absolue, une paix intense en nous. Laissez circuler librement chacun de ces cristaux à l'intérieur de vous. Laissez-les apporter une touche de douceur, d'harmonie, de paix intérieure. Chacun d'eux représente la joie, la paix, la sérénité en vous. Les grands maîtres de l'univers se fusionnent à nous aujourd'hui, afin de laisser circuler librement cette douce vibration en nous. Nous allons visualiser, ressentir qu'au centre de notre cœur où est placé notre merveilleux cristal, de merveilleuses racines cristallines s'y placent et nous le laissons descendre, passant à travers chacun des chakras, jusqu'à notre chakra racine. Ces merveilleuses racines cristallines continuent de circuler dans nos cuisses, jambes, jusque sous la plante de nos pieds. Sous la plante de nos pieds, ces merveilleuses racines vont descendre au cœur de la Mère Terre. Tout doucement, elles prennent de plus en plus d'expansion. Chacune d'elles s'entrecroise. Elles descendent au cœur de la Mère Terre, dans le noyau central de Gaïa, en son cœur divin. Elles viennent se fusionner à Gaïa, se connecter dans l'amour qu'elle porte pour nous, avec paix, harmonie, nous transmettons, nous fusionnons avec le cœur cristallin de Gaïa, notre amour infini, dans son centre, dans son cœur. Nous laissons voyager de Gaïa jusqu'à notre cœur, de notre cœur jusqu'à Gaïa, en son cœur cristallin, l'amour que nous portons tous en nous. Nous ressentons dans chacune de nos racines cristallines ce mouvement de douceur. Aller vers Gaïa et revenir dans notre cœur cristallin. Comme un doux battement de cœur, le cœur de Gaïa. Cette énergie, cette vibration nous apaise, nous apporte une grande détente. Gaïa, de son cœur cristallin, nous envoie de doux rayons d'amour
qui montent dans nos racines cristallines et viennent se déposer au centre de notre cœur. Notre cœur est rempli de lumière, d'amour, de joie et de béatitude. Gaïa nous porte, Gaïa nous berce, Gaïa nous aime à l'infini. De notre chakra cœur, deuxième cœur, thymus, placé au centre de notre thorax, nous allons y placer de merveilleuses racines cristallines, les laissant monter jusqu'à notre chakra couronne. Ces merveilleuses racines vont monter dans le firmament, prenant tout l'espace de l'univers. Elles montent tout doucement et viennent se fusionner, se connecter au cristal central des plans célestes, des plans des étoiles. Au centre de ce cristal, l'amour de tous ces grands maîtres de l'univers y est déposé. Guerriers, guerrières, prêtres, prêtresses et toute dimension d'amour est placée en son cœur cristallin. De ce cœur cristallin dans l'univers, nous laissons revenir dans nos racines cristallines cet amour infini. Elle vient se fusionner au sommet de notre chakra couronne. Elle descend doucement, librement, dans nos cellules, dans tout notre être, et vient se fusionner à notre chakra thymus, au centre de notre thorax. L'énergie cristalline qui descend jusqu'à notre thymus vient amplifier ce merveilleux cristal qui est déjà déposé en nous, placé. Nous le voyons, nous le ressentons, prendre amplification, énergie, amour. Il grandit en nous. Il vient remplir notre chakra thymus, cage thoraxique, au complet. Il laisse à notre thorax une merveilleuse lumière, lumière de réconciliation avec notre âme, avec notre cœur cristallin. Son émanation vient se fusionner à notre chakra cœur. Cette douce fusion est transportée dans chacune de nos cellules, dans tous nos chakras entiers, dans tous les organes de notre corps. Cette vibration cristalline apporte guérison, élévation de tout notre être entier. De notre chakra thymus, nous laissons tourner ce merveilleux cristal placé. Doucement, librement, il émane à l'extérieur de nous, venant toucher tous nos corps de lumière afin de les amplifier. Chacun d'eux devient de plus en plus lumineux. Cette émanation prend de plus en plus d'expansion, venant se fusionner à notre belle Merkaba,
à l'extérieur de nous. Une belle Merkaba de 12 pointes, très cristalline. Avec de merveilleux reflets de teintes pastel, de rose, de bleu, de vert, de jaune, de violet. Notre Merkaba prend de plus en plus d'expansion. À l'intérieur de celle-ci, nous nous sentons protégés, aimés. Notre Merkaba prend expansion, venant nous apporter protection à l'intérieur. Nous allons nous placer dans un merveilleux et grand cercle, tous ensemble. Chacun avec nos Merkabas, nous laissons notre vibration d'amour circuler entre chacun de nous. Une énergie de douceur, de reconnaissance. Nous prenons quelques instants afin de nous regarder chacun de nous droit dans les yeux avec un amour infini, une reconnaissance d'âme, une joie immense de se retrouver ensemble, afin de venir vivre ce merveilleux et grand voyage. Nous nous tenons tous par la main, laissant émaner cette vibration de douceur et d'amour en chacun de nous. Sous nos pieds, touchant le sol, un immense cristal est placé. Nous nous laissons fusionner à ce cristal. Nous nous laissons porter. L'énergie du cristal s'amplifie à notre contact. Il vient former autour de nous un immense Merkaba très cristallin, afin que nous puissions faire ce merveilleux et grand voyage ensemble. Et nous prenons de belles respirations profondes afin de demeurer de plus en plus centrés à l'intérieur de nous. Lorsque nous regardons vers le firmament, vers les étoiles, nous pouvons y voir un merveilleux vortex très lumineux placé devant nous, comme une grande porte qui s'est ouverte pour nous, afin d'aller visiter, circuler au plan des étoiles. Nous nous sentons attirés vers cette belle et lumineuse lumière. Tous ensemble, en se tenant toujours par la main, avec ce merveilleux Merkaba autour de nous, nous ascensionnons dans l'univers, dans le firmament. Nous regardons autour de nous l'univers tout entier, l'univers lumineux rempli d'amour qui nous salue. Ces étoiles de constellations différentes brillent pour nous, afin de nous accueillir sur ce passage, dans cet bel et grand univers. Devant nous, une étoile très brillante,
nous interpelle, nous invite. Nous continuons à monter dans l'univers, allant se déposer sur cette merveilleuse étoile, constellation d'Orion. Lorsque nous sommes bien déposés au centre de cette étoile, nous pouvons regarder autour de nous de grands prêtres, prêtresses, qui nous accompagnent, qui nous accueillent en ce merveilleux moment. Nous regardons ces grands maîtres avec une joie immense, reconnexion à nos âmes célestes, ces guides pour nous, que nous avons perdu contact au cours du temps et que nous revenons nous fusionner à leur vibration, à leur âme. Ces êtres sont très grands. Ils portent en eux une énergie très pure, très douce. Ils sont très fluides. Pour eux, l'espace-temps n'existe point. Tout devient au ralenti pour nous. Harmonieux. Il vient se placer au centre de notre merveilleux cercle. Cette grande prêtresse de la constellation d'Orion, Aquasham. Aquasham passe à tour de rôle devant nous, venant nous saluer. Nous remercier de notre présence sur cette constellation d'Orion. Elle désire nous transmettre qu'en ce jour, nous recevrons de nouvelles fréquences vibratoires très élevées afin d'acclimater nos corps physiques terrestres de cette nouvelle vibration d'amour, afin que notre fusion d'âme puisse se connecter davantage avec tous ces maîtres de l'univers. Aquasham nous demande de prendre une grande respiration profonde. Afin de nous détendre de plus en plus, d'être dans plus en plus dans cet espace d'accueillir dans nos corps physiques terrestres ces nouvelles fréquences vibratoires, venant de cette belle constellation d'Orion, de merveilleuses sphères d'un beau bleu translucide circule librement dans cet univers. Chacun d'eux porte une énergie, une vibration de douceur, un enseignement pour chacun de nous. Chacun d'eux porte aussi une guérison de ces mémoires d'Orion
dans des moments plus difficiles de ces incarnations que nous avons vécues. Ces sphères viendront créer ce grand balayage, nettoyage en nous de ces anciennes mémoires, afin de laisser place à chacun de nous, de nos dons, de qui nous sommes, de cette lumière divine que nous portons en nous. Ces merveilleuses sphères placées au-dessus de nous descendent librement et tout doucement jusqu'au sommet de notre tête. Nous les laissons pénétrer à l'intérieur de notre chakra couronne. Cette belle sphère bleutée, limpide comme le cristal, circule librement dans notre crâne, venant défaire des structures, des mémoires du passé, de libérer notre âme afin que la légèreté s'y place de plus en plus. Cette sphère vient passer à notre niveau chakra causal, au centre de notre front. Elle nettoie, libère ses anciennes structures, anciennes mémoires, afin de laisser légèreté dans notre vie, notre quotidien. Elle vient se fusionner à notre troisième œil. Elle défait les nœuds de notre conscience, de la vision de ces anciennes structures, afin que de nous apporter l'amour absolu de l'être que nous sommes et de ce que nous avons vécu à travers ce peuple, peuple d'Orion, notre famille d'âmes. Cette sphère cristalline bleutée circule aussi au centre de notre chakra de l'oreille. Elle défait ses anciennes structures mémoire, afin de laisser place à une grande légèreté. Notre crâne devient de plus en plus fluide, de plus en plus harmonieux, où l'instant présent est le plus important. Maintenant, cette sphère bleue descend au niveau de notre chakra de la gorge. Elle tourne librement, défait les craintes, les peurs, les anciennes structures de ce passé, de cette vie, afin d'apporter grande douceur en nous. Elle défait les mémoires anciennes. Elle descend librement au centre de notre thorax, chakra thymus, notre cœur cristallin, venant lui apporter réconfort, amour, lumière.
tout devient harmonie. Cette sphère vient se placer au centre de notre cœur. Elle tourne doucement, librement, venant défaire ses anciennes structures de peur, de peine, de moments intenses, de ses vies anciennes sur cette constellation d'Orion, venant apporter légèreté dans notre quotidien. La sphère prend place au niveau de notre chakra plexus solaire, tournant librement, venant détacher en nous ces anciennes émotions de ces incarnations, afin d'apporter douceur, légèreté en nous. La sphère continue de descendre et vient se placer à notre chakra sacré. Elle prend tout l'espace de notre sacré, défaisant les structures, les blocages, les mémoires anciennes. Et elle vient se fusionner à notre chakra racine, venant décristalliser aussi ces anciennes mémoires afin de laisser place à une grande légèreté. Cette vibration cristalline circule dans le corps complet, le crâne, les épaules, tout le long de notre colonne vertébrale jusqu'au bas de notre bassin, dans nos bras, avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Elle circule dans chaque cellule de notre corps, défaisant ses anciennes structures. Du bas de notre bassin, elle descend librement dans nos cuisses, genoux, jambes jusqu'au bout des pieds. Elle défait chaque mémoire qui nous a retenus dans l'enfermement, dans des blessures anciennes, dans des limitations que chacun de nous, notre ego a formé, pensant se sécuriser. Cette sphère aujourd'hui a créé ce grand nettoyage en nous de cette vie, sous cette constellation d'Orion, afin de venir alléger notre moment présent. Nous ressentons notre corps beaucoup plus fluide, dégagé, libéré. Il vient se placer autour de nous, de grandes prêtresses d'Orion. Elles sont grandes, très fluides, une douceur, d'un amour infini. Chacun de nous, nous avons ces grandes prêtresses devant nous, derrière nous. Elles travaillent dans nos corps énergétiques présentement. Chacun d'eux, prenant leurs doigts, elles viennent toucher tous nos corps de lumière afin de libérer en eux aussi ces anciennes mémoires.
Et elle nous regarde avec un amour infini, d'une grande tendresse. Ces grandes prêtresses font partie de nos sœurs cosmiques de cette constellation d'Orion. C'est avec joie qu'elles viennent se fusionner à nous aujourd'hui afin d'élever notre fréquence vibratoire. Ces grandes prêtresses portent dans leurs mains de merveilleuses sphères cristallines. À l'intérieur de chaque sphère, une pierre précieuse est déposée. Cette pierre fait partie intégrante de votre cristal de votre cœur. Votre cœur thymus, votre deuxième cœur cristallin. Cette sphère cristalline pénètre au sommet de votre tête. Elle descend doucement, librement dans votre crâne complet. Elle touche chaque cellule de votre crâne, apportant grande douceur, grande paix à l'intérieur de vous. Ce cristal apporte élévation, venant reconnecter votre crâne à chacune de vos mémoires de Sirius, de vos familles d'âmes où nous avons tous été. Une douceur immense se place en vous, une joie incommensurable est ressentie. Votre âme se souvient. Votre âme vient toucher ces fréquences vibratoires de ce peuple, notre peuple, avec qui nous avons vécu, partagé, enseigné. Cette sphère cristalline continue à descendre au niveau de votre gorge, amplifiant votre verbe d'amour, votre verbe juste. Elle descend au niveau de votre thorax, chakra thymus. Elle l'amplifie en vous, dans votre thymus qui est connecté à votre cœur cristallin, qui est fusionné à votre âme. Elle réactive en vous
chaque mémoire de votre vie sur Orion. Chaque don qui est placé en vous. Au centre de votre thymus, cette sphère tourne librement. Vous pouvez ressentir votre thorax prendre de plus en plus d'expansion, devenir emmagasiné en vous. Chacune de vos connaissances et de l'amour que vous portez en vous. Cette sphère descend au niveau de votre cœur, venant apporter amour infini vers vous-même. Votre guide, grande prêtresse d'Orion, est placée devant vous et vous regarde droit dans les yeux. Elle se connecte à vous de son âme. Elle fusionne à votre âme. Elle vous transmet chacune de vos mémoires, chacun de vos dons. Elle vous apporte paix, joie, reconnexion à votre être. Elle vient déposer au centre de votre front une merveilleuse pierre cristalline d'un beau bleu, très doux. Elle le laisse fusionner dans votre chakra causal, afin que chacune de ces mémoires prenne expansion en vous. L'énergie de cette sphère se place au centre de votre plexus solaire. Elle grandit en vous, apportant une paix infinie. Venant amplifier vos vibrations, énergie, au centre de votre plexus solaire. Votre chakra du plexus grandit de plus en plus. Cette sphère cristalline bleutée vient se placer au centre de votre chakra sacré. Elle tourne librement dans cet espace, apportant élévation. De tout votre être, de tout l'amour placé en vous. Et elle vient se fusionner à votre chakra racine. La sphère tourne librement. Elle vous apporte une belle enracinement, vous sentant de plus en plus solide, ancré dans vos nouvelles vibrations. Au centre de notre cercle
cette grande prêtresse Aquasham de la constellation d'Orion. Viens déposer dans la paume de nos mains de merveilleuses sphères cristallines d'un beau bleu très doux, très tendre. Il se fusionne au centre de nos mains et prend de l'expansion. Il vient nourrir en nous l'énergie que nous portons et l'amour à l'intérieur de chacun de nous. Sous nos pieds, cet immense cristal qui est placé s'amplifie par l'énergie de cet espace où nous sommes. Notre corps physique se sent de plus en plus détaché de notre matière terrestre et chacun de nous ressentons en nous cette vibration, cette fluidité de notre grande famille d'âmes, de cette constellation d'Orion. Nous ne faisons qu'un à travers chacun de nous, à travers tous ces grands maîtres d'Orion. Une belle et grande reconnaissance d'âme est placée en nous. Ces grands maîtres viennent placer autour de notre cercle une immense sphère cristalline de ce cristal bleuté très clair d'Orion. Cette vibration, cette énergie nous accompagnera dans notre quotidien afin de continuer à ressentir leur présence plus intensément auprès de nous. Tous ces grands maîtres d'Orion placés autour de nous, devant nous, viennent nous saluer de notre présence, nous remerciant d'être venus à leur rencontre, d'être venus se reconnecter à nos mémoires de cette ancienne civilisation d'Orion. Avant de quitter, ces grands maîtres viennent déposer au sommet de notre chakra couronne une belle petite Merkaba 12 pointes d'un beau bleu cristallin très clair venant de ces cristaux d'Orion et le laisse fusionner au centre de notre crâne. Ces grands maîtres ajoutent, chère âme, vous retournez dans vos mondes terrestres avec l'essence à l'intérieur de vous, autour de vous, de votre famille d'âme. Vous demeurerez connecté à chacune de vos mémoires afin de pouvoir œuvrer à votre tour davantage
sur vos plans de la terre. Chère âme, nous poursuivrons à travers vos moments de pause à venir amplifier en vous cette énergie, cette vibration, afin de continuer à élever en vous votre fréquence vibratoire. Chacun d'eux placé devant nous, nous salue de leur amour infini. Tout doucement, dans ce merveilleux et grand cercle que nous faisons, avec cette belle sphère cristalline bleutée autour de nous, nous allons quitter cette constellation d'Orion et tout doucement, très doucement, nous allons traverser l'univers. Nous portons notre regard sur chacune de ces étoiles, chacune de ces constellations, de nos peuples, de nos mémoires anciennes, d'où nous reviendrons pour se fusionner à eux. Et nous descendons délicatement dans cet bel et douce univers, dans ce vortex placé pour nous, afin de revenir tout en douceur sur nos plans de la terre. Lorsque nous touchons le sol, chacun de nous, avec un regard d'amour, de tendresse, de béatitude, nous nous regardons droit dans les yeux et savons maintenant que nous portons au centre de notre chakra causal, au centre de notre front, ce merveilleux cristal qui fait partie de nos connaissances. Chacun de nous, nous nous reconnaissons en nos âmes de tous ces moments que nous avons passés, vécus ensemble dans ces temps lointains. Nous savons dès maintenant qu'à travers cette amplification que nous portons en nous, nous pouvons venir nous connecter à distance à d'autres âmes afin de laisser émaner de nous vers chacun d'eux cet amour infini et ressentir dans nos cellules la connexion, la fusion terrestre de tous ces âmes autour de nous. Nous nous regardons tous avec joie, avec amour, et nous nous saluons. Cette salutation vient créer en chacun de nous un moment sublime de reconnaissance terrestre. Nous nous sentons accompagnés dans ces plans de la terre divinement. Tout doucement, chacun de nous allons se repositionner dans notre espace, notre habitat.
pour ceux qui désirent continuer cette méditation, laissez-vous porter tout doucement par votre calme intérieur, votre paix intérieure, afin de vous laisser porter par votre vibration et ceux de ces grands maîtres. Pour chacun de vous qui désire revenir dans son moment présent, nous allons prendre de belles respirations profondes afin de réajuster notre corps physique à notre dimension terrestre, mais en demeurant dans notre âme connectée à ces autres dimensions. Nous allons délicatement bouger notre corps pour se recentrer dans notre ici et maintenant. Merci tout le monde de votre belle présence. Merci d'avoir été tous ensemble dans ce merveilleux et grand voyage qui sont toujours très enrichissants pour nous tous et pour moi-même, car je visite moi aussi en même temps que vous autre dimension. Et nous recevons tous ensemble cette vibration. Je vous remercie d'être ce que vous êtes, de porter cette lumière en vous, de continuer à porter cet espoir d'un monde meilleur. Un monde rempli d'amour sur terre. Et que chacun de nous, nous continuons à demeurer fusionnés ensemble par notre âme. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, comme je mentionnais au début, qui désirait avoir consultation, vous n'avez qu'à me contacter. Consultation guidance de l'âme. Et ceux qui demeuraient intéressés pour ce mercredi le 29 avril, midi pour le Québec et 18h pour la Belgique, l'Europe, pour une canalisation publique, avec grand maître ascensionné qui s'y placera dans le moment présent. Je vous souhaite à tous un délicieux week-end. Profitez de la douceur qui est en vous. Profitez de ce qui a été déposé. Laissez-le circuler en vous et vivez pleinement votre moment présent. Donc, je terminerai en vous disant, je nous aime à l'infini et prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Bye bye.